voulez, c'est ce pouvoir de témoignage. Une ville, en fait, se fait par concrétion. Et ce qui est formidable en architecture, c'est de voir ce qui faisait plaisir à des générations qui ont disparu. Et une ville est formidable, une ville historique est formidable, parce qu'il y a cette succession d'architecture liée aux techniques, liée au désir du moment, liée à la culture du moment, et que tout ça crée des bâtiments qui ne se ressemblent pas tout à fait, qui évoluent. Le XXe siècle a été une véritable explosion d'ailleurs, un peu dangereuse, on peut bien le reconnaître, mais il est important à chaque fois de donner les gages, les témoignages de la culture, des désirs, des volontés qui habitent les hommes à un moment donné. L'un des principaux problèmes pour un architecte aujourd'hui est de savoir le sens que son bâtiment peut acquérir dans un environnement qui souvent est saboté. Saboté pourquoi? Parce que la plupart des villes, des grandes villes de la planète, sont aujourd'hui régies à peu près par les mêmes règles, qui consistent à répondre à des obligations techniques préalables, des voiries, des autoroutes, des routes, des lignes électriques, des réseaux, des infrastructures. Et tout ce qui est d'ordre sensible n'existe pas à ce niveau-là. Ensuite, on complète tout cela par un zoning, en donnant des règles de densité qui sont égales par des secteurs, jusqu'à sur les cartes de géographie. Après cela, toute architecture devient souvent illisible et n'a pas de contexte positif. Et je pense vraiment qu'il faut changer totalement ça. Je pense qu'il faudrait arriver à créer, alors il y a une antinomie dans les termes, des règles sensibles. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par s'intéresser à l'endroit où on est, à sa topographie, à sa flore, à l'ensemble des paramètres géographiques et climatiques, s'intéresser aux architectures préalables, et à partir de là, donner un certain nombre de recommandations ou d'impositions qui sont liées à des couleurs, à des essences de matériaux ou de végétaux, à des gabarits qui sont plus basés sur la silhouette que sur une hauteur toujours égale, des tas de choses comme ça qui demandent évidemment un autre type d'étude préalable. Le jour où on arrivera à ça, on arrivera peut-être à transformer toute la matière qui a été produite dans ce XXe siècle, qui est, il faut bien le dire, souvent catastrophique, puisqu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de distinction, il n'y a pas de qualité de détail, il n'y a pas de lecture d'ensemble, il n'y a plus de stratégie. La seule stratégie était économico-technique. Il faut qu'on revienne aux principes humanistes. Il faut qu'on arrive à vivre correctement, avec beaucoup de plaisir et d'hédonisme dans les différents lieux qui sont créés. Si mon architecture dégageait une certaine sensualité, j'en serais plutôt comblé. Alors c'est vrai que je recherche toujours des dimensions qui sont en relation avec la séduction et avec le mystère. Tout architecte devrait chercher ça. Parce que si on a tout compris en 15 secondes, bon, ça n'a plus d'intérêt. Bon, donc chaque déambulation, chaque détail doit être l'occasion d'une petite surprise. Et chaque découverte doit garder un tout petit peu de secret. Je dis souvent, les projets, c'est un peu comme les courses automobiles aussi. Les 24 heures du Mans, on n'arrive pas à la même place si on a une 3 litres et une 1200 cm cubes. Ça dépend du nombre de chevaux, ça dépend. Bon, à chaque fois, dans chaque situation, on essaie de faire ce qui correspond à cette situation et le maximum dans cette situation. Le contextualisme, c'est aussi ça. C'est aussi essayer de tirer le maximum de chaque situation. Ici, nous sommes au Mont Boron, qui est le point culminant de la Côte d'Azur entre la rade de Villefranche et le vieux port de Nice, et la ville de Nice.
Et comme par hasard, les militaires, quand Nice est devenue française, ont décidé de mettre là une place forte pour contrôler l'entrée de la rade de Villefranche et le vieux port de Nice. Seuls les militaires peuvent trouver des lieux comme ça et les construire, parce qu'en général, celui-là, on ne peut pas les construire, c'est impossible. Il faut des raisons stratégiques pour les construire. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ce fort a relativement peu servi. La végétation a poussé dessus depuis un siècle et demi. Les dernières années, il servait à la préparation militaire pour ceux qui faisaient un peu de plongée autour. Et il a été vendu avec l'impossibilité de construire, l'impossibilité de démolir, la nécessité de garder la végétation. Donc j'ai dit, ça peut intéresser quelqu'un comme moi pour y vivre d'abord, pour y travailler surtout, et ensuite pour créer une fondation qui sera basée sur le fait que chaque année j'inviterai 10 à 12 architectes à travailler sur les thèmes de la spécificité méditerranéenne. Donc on trouvera des sujets autour de la Méditerranée qui permettent de montrer qu'une architecture peut avoir quelque chose de commun avec une histoire et une géographie. Je préfère transformer, parce que dans la transformation, il y a toujours ce dialogue obligatoire. Et transformer dans le domaine du logement, par exemple, ça amène toujours à des logements qui ne sont pas du tout dans la norme. Ils sont quelquefois trop hauts, trop longs, trop bas, trop éclairés. On ne pourrait pas les faire comme ça. Donc c'est formidable de pouvoir travailler à partir d'une matière qui donne quelques excuses. Bon. Donc ici, j'ai énormément d'excuses et je peux travailler en dehors des chemins battus, ou des sentiers battus. Oui, ici, dès que j'ai vu le lieu, j'ai commencé à rêver de ce que je pourrais en faire, évidemment. Donc c'est un lieu paradoxal, parce que c'est le lieu de la plus belle vue, et où la plupart des espaces n'ont pratiquement aucune vue, parce qu'ils sont protégés par une grande épaisseur de terre, pour des raisons militaires, de bombardement. Et donc je vais essayer de faire de ce lieu d'ombre un lieu de lumière, pour les pierres qui sont à l'intérieur. Et je vais essayer d'utiliser au maximum cette position stratégique pour jouir des vues différentes. Et pour cela, j'aurai sûrement recours à des architectures temporaires, à des tentes, à des choses qui resteront juste quelques semaines, quelques mois. Mais on va pouvoir comprendre où on est et vraiment